Là-haut, chacun croit ce qu'il veut. C'est avoir la foi, mais la foi en soi. Et la foi, tous, on l'a ou on l'a pas. Et puis le reste, c'est que du support. Pourquoi? Pour avancer, pour se raccrocher. On n'a pas tous des parents aimants. Donc des fois, d'avoir une croyance en quelque chose, ça peut aider l'humain. Tout simplement. Je porte une croix à l'oreille, mais c'est pas du tout un signe spirituel ou religieux. C'est plus, on va dire, un objet décoratif qui me plaisait sur l'instant. C'est compliqué, hein, aujourd'hui, la croyance et les religions, d'en parler. Pas tellement de croyances à l'heure actuelle. Oui, mais très flou et pas complètement défini. Qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité? Les vierges, ça se dit ça? En matière religieuse, moi je suis catholique, oui. Je crois en Dieu. Et sinon, je suis respectueux de toutes les croyances des autres, et ou ceux qui n'en ont pas d'ailleurs. Voilà. Je ne suis pas 100% religieux, je ne le pratique pas, mais je respecte beaucoup. J'ai un côté français, un côté turc pour moi, même malgré que je suis 100% turc. Alors, moi, je ne peux pas pratiquer un truc que vraiment on est mélangé. Alors, je reste mélangé avec tout le monde, voilà. Que ce soit juif, arabe, turc, gitan. J'essaye d'avoir un bon côté égalité, hein, même avec les athées. Hein, j'arrive à discuter avec des athées, moi. Je crois en différentes choses. Je crois en l'humain déjà. Et du coup, comme je crois en l'humain, je crois en certaines valeurs humaines. La tolérance, la solidarité, le respect, voilà, la paix, la bonté, la politesse. Enfin voilà, des valeurs humaines. Pour moi, c'est une croyance. On est dans un monde d'égoïstes. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai partagé mon pain, je continue à le partager. Après, le reste, je ne peux pas en ajouter plus. Juste, il ne faut pas qu'on oublie la charité. Et chez nous, on dit sadaka. Et après, voilà. La spiritualité, bah, c'est donc avoir une relation personnelle à Dieu en ce qui me concerne. Bon, je ne suis pas non plus un grand pratiquant, hein, mais disons que j'ai quand même ce lien. Ouais, je peux le dire, je pense qu'il existe d'autres mondes que celui matériel dans lequel nous évoluons là, qu'on ne D'accord. connaît pas, mais qu'on connaîtra peut-être un jour. J'ai pas une croyance ferme, j'ai pas de croyance religieuse. Je suis catholique, mais il y a des choses qui, dans le catholicisme, qui me conviennent pas forcément. Donc je reste assez en retrait et assez critique aussi par rapport à ces questions. Mais voilà. C'est-à-dire une vision de l'humain qui relie tout, qui relie ce qu'on est, ce qu'on vit, dans quoi on est, dans quoi on vit, et peut-être avoir une croyance dans un au-delà ou pas, ou dans une réincarnation ou pas, selon les philosophies. Oui, c'est important, mais bon, j'en fais pas non plus. Je ne suis pas un grand pratiquant, mais ça compte dans ma vie. C'est parce que c'est une tradition familiale aussi. Ça a compté beaucoup pour mes parents, donc c'est un héritage pour moi aussi. Mais je pense que pour des personnes, ça peut être une source d'énergie, quelque chose qui peut leur donner confiance en eux, ou même qui leur permet d'avancer. Donc, pour moi, c'est pas du tout mon cas, mais pour d'autres, oui, pourquoi pas. C'est important Oui. parce que quand on grandit, on a besoin de l'extérieur pour se construire. Et plus tu vieillis ou tu t'es construit avec l'extérieur, plus tu as besoin de construire ton intérieur. Et pour moi, l'intérieur, je le relie à la spiritualité.